Bonjour et merci à tous ceux qui me suivent. Toutes mes excuses parce que j'avais prévu faire ma vidéo à 8 heures du pays. Voilà, mais finalement, on est à déjà 20 minutes de retard, donc toutes mes excuses. Voilà, c'est pas facile. On a des décalages horaires. Chez nous, il est 2 heures du matin, 2h24, et ce n'est pas facile. Voilà, donc on court, on fait ce qu'on a à faire, mais c'est le pays d'abord. Et si on ne s'occupe pas de notre pays, personne ne le fera à notre place. Voilà, donc c'est notre participation aussi, parce que les VDP sont au front, les FDS sont au front, ils ne dorment pas, ils se battent, voilà, toute la nuit, pour que nous puissions être à Ouagadougou, à Koutougou, un peu partout, et sortir et insulter les gens. Voilà, eux, ils dorment en brousse. Donc, c'est à nous aussi, en ville, de tout faire et pour accompagner, afin que on puisse aller à la victoire. Ce matin, moi, je vais m'adresser aux autorités de la Côte d'Ivoire. Vous savez, ce qui se passe chez nous actuellement avec la Côte d'Ivoire, et je vais vous dire, ce n'est pas quelque chose qui, normalement, doit, et les populations doivent s'inviter à ça, non. Ibrahim Traoré a des plans. Il a des plans qu'il faut que nous dévoilons ces plans-là. Parce que si nous ne le dévoilons pas, nous voulons que la Côte d'Ivoire nous rende service. Moi, mon message ce matin, c'est de demander aux autorités de la Côte d'Ivoire, je suis à genoux, je leur demande pardon. Ils n'ont qu'à nous rendre service. Parce que ce qui se passe, ce sont des... Je dis, quand on demande, ce n'est pas parce que les gens ne peuvent pas agir. Ils peuvent agir, mais moi je voudrais leur demander pardon. Qu'ils nous rendent service en libérant ces deux FDS. S'ils le font, ils vont nous rendre service. S'ils ne le font pas, je ne vais pas pousser loin le débat, mais qu'ils nous libèrent ces deux soldats. Ils vont nous rendre service. Vous savez, dès le début, j'ai dit quelque chose, je ne sais pas si les gens s'en souviennent. J'ai dit, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait au Burkina? Qu'est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara a fait à Ibrahim Traoré? C'est une question simple. Parce qu'aujourd'hui,
Si on reproche des choses à la Côte d'Ivoire, si on a des preuves que le président Alassane Dramane Ouattara participe à quoi que ce soit dans la déstabilisation du Burkina ou peut-être à poser des actes que nous, citoyens, on ne sait pas. Mais moi, j'aurais voulu que Ibrahim Traoré, qu'il sorte et qu'il s'adresse à la nation. Il explique au peuple burkinabé ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire. Parce que ces agissements sur la toile, d'abord avec l'affaire du Mali, l'électricité avec le Mali, il est sorti. Et après ça, il y a beaucoup de choses qu'il a posées comme des, qu'il a posées comme actes qui, à mon avis, ne devraient pas être sortis de la bouche d'un président du Burkina. Mais peut-être qu'il y a des choses que nous, nous ne savons pas. Nous, citoyens, il y a des choses que peut-être qu'on ne sait pas. Moi, je veux qu'il soit honnête une fois dans la vie. Que Ibrahim Traoré soit honnête dans la vie. Qu'il sorte et qu'il fasse une déclaration, qu'il explique au peuple burkinabé, s'il a du respect pour ce peuple, qu'il explique au peuple burkinabé ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire, pour que nous, citoyens burkinabés, on puisse l'accompagner dans ce combat. Quand on est à la tête d'un pays, on doit expliquer au peuple ce qui se passe. Parce que tout ce qui se passe, nous ne comprenons pas. Qu'est-ce qui se passe entre le Burkina et la Côte d'Ivoire pour que deux gendarmes ivoiriens franchissent la frontière et se retrouvent à Ouagadougou depuis 6 mois, qu'on ne libère pas ces deux gendarmes? Parce que ce que nous, nous savons, c'est que la Côte d'Ivoire a remis du matériel au Burkina. Ibrahim Traoré l'a confirmé sur les médias. Ce qui est connu de tous, c'est qu'il y a des Burkinabés qui ont franchi la frontière, qui se retrouvent en Côte d'Ivoire, qui ont été accueillis, logés. Nous, nous connaissons les actes du côté de la Côte d'Ivoire. Mais nous, nous ne savons pas ce que la Côte d'Ivoire a fait au Burkina, qui mérite qu'on aille maintenir 2 soldats ivoiriens au Burkina. Ce sont des choses qu'il faut qu'on nous explique. Ça nous permet de nous positionner. Parce qu'aujourd'hui, moi personnellement, on m'accuse de ne pas soutenir Ibrahim Traoré dans ce combat. Moi, je parle contre la Côte d'Ivoire. Mais je vais le soutenir sur la base de quoi? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait au Burkina. Parce que ce que je sais, c'est ce que la Côte d'Ivoire a fait pour le Burkina. Maintenant, s'il y a des dessous, s'il y a des choses qui se passent en bas, que nous, nous ne connaissons pas, qu'il aille à l'hémicycle, qu'il explique. C'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de... C'est parce qu'aujourd'hui, les institutions ne fonctionnent pas. Rien ne fonctionne. Ibrahim Traoré est maître, il fait ce qu'il veut. Sinon, normalement, on devrait inviter Ibrahim Traoré à expliquer au peuple burkinabé ce qui se passe pour que nous, nous soyons au parfum des choses. Parce que je ne vais pas accompagner quelqu'un. Quand je sais que ce dernier-là, tout ce qu'il fait, il travaille à rester au pouvoir. Donc, je ne peux pas accompagner quelqu'un sans savoir ce qui se passe réellement. Donc, la première, c'est Ibrahim Traoré qui sort et qui l'explique au peuple burkinabé ce qui se passe. Nous, nous avons besoin de savoir. Je sais que ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, ont besoin de savoir. Parce que ce qui se passe est que, aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de poser comme acte, si ça ne nous rattrape pas aujourd'hui, ça va nous rattraper demain. Parce que le président Alassane Dramane Ouattara est là. Peut-être, je sais que lui, il ne va pas réagir. Mais on ne sait pas après lui, qu'est-ce qui va se passer après lui. Est-ce que ceux qui viendront après ne vont pas réveiller ce cadavre-là? C'est que nous sommes en train de poser comme acte aujourd'hui. Est-ce que ceux qui viendront après ne vont pas le réveiller? Il ne faut pas oublier. Moi, aujourd'hui, quand je vois des gens qui se mettent du côté du PPACI, des anciens pouvoirs d'Abidjan, pour tout simplement s'en prendre au président Alassane Dramane. Les gens oublient, ils ont la mémoire courte. C'est au temps de ces gens-là que nous, nous avons souffert, même l'électricité. Au Burkina, pendant la crise, mais il y avait des parties où il fallait tout simplement suspendre un quartier et après on rallume. C'était des yeux de lumière si les gens ne s'en souviennent pas. Mais après, quand le président Alassane Dramane Ouattara est venu, on n'a pas eu de problème jusque-là. Mais c'est ce que j'ai dit. Ça, c'est superficiel. Mais en dessous, nous, nous ne savons pas ce qui se passe. Que met Ibrahim Traoré, il nous explique ce qui se passe. Ça nous permet tout simplement d'être au même niveau d'information que lui. Et nous pourrons l'accompagner. Parce que si il y a quelqu'un de l'autre côté qui veut déstabiliser le Burkina, nous luttons pour sortir le Burkina de cette situation. S'il y a quelqu'un qui se trouve en France, qui se trouve aux États-Unis, qui se trouve en Côte d'Ivoire, et qui est le problème du Burkina, qu'on nous dise pourquoi ensemble on puisse lutter. Parce qu'on ne va pas. Si c'est au nom du pouvoir que quelqu'un veut rester au pouvoir, et lui, il crée des problèmes de gauche à droite pour pouvoir s'en sortir, nous, nous n'allons pas accompagner un type de ce genre-là. Maintenant, mon message aux autorités ivoiriennes, s'il vous plaît,
libérer nos deux soldats. Je sais pourquoi je le dis. Parce que vous savez, Ibrahim Traoré, aujourd'hui, est dos au mur au Burkina. Si vous ne le savez pas, c'est moi qui vous le dis. Il est dos au mur. Moi, ça, c'est le message aux autorités ivoiriennes. Parce que Ibrahim Traoré est dos au mur, il cherche des situations ailleurs pour pouvoir mobiliser, raviver cette fibre patriotique de ceux qui ne comprennent rien. C'est ce que Ibrahim Traoré est en train de rechercher aujourd'hui au Burkina. D'abord, il a lancé les pics concernant l'électricité, il n'a pas eu gain de cause. Il a fait la même chose au Ghana. Il n'y a pas eu de réponse. Les gens n'ont pas réagi. Aujourd'hui, les gens se réveillent. Les gens ont compris que Ibrahim Traoré n'est pas la solution. Un peu partout, on utilise la force pour empêcher le peuple de réagir. Mais c'est pour combien de temps? Les gens se réveillent. Les fonctionnaires, tout le monde voit que la chose devient sérieuse. Mais Ibrahim Traoré, en lançant d'abord même les pics contre dans l'affaire de l'électricité, c'était pour que la Côte d'Ivoire se révolte et nous coupe l'électricité. Parce que si vous nous coupez l'électricité, Ibrahim Traoré pourra utiliser ça comme alibi pour dire aux gens, voici ce qu'on veut nous faire pour nous empêcher de nous libérer. On est presque vaincre les terroristes, mais c'est la Côte d'Ivoire qui nous coupe l'électricité pour amener le peuple à se révolter contre moi pour que je puisse échouer. Ce sont des choses comme ça qu'ils cherchent. Sinon, en le disant, mais Ibrahim Traoré doit tout simplement se renseigner. Ce qu'il a dit, les Maliens même ont démenti. Ça veut dire que ce sont des pics. On lance ces pics-là, on amène le peuple à se révolter en disant que oui, c'est à cause de tant que je n'arrive pas à faire tant. Là, les gens se révoltent. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un problème avec la Côte d'Ivoire, les gens vont dire, les gens ne vont pas réfléchir. Il y a beaucoup qui ne vont pas réfléchir. Il y a beaucoup qui vont se dire, donc c'est la Côte d'Ivoire qui est notre problème. Au lieu qu'on se préoccupe du cas de Ibrahim Traoré qui est incompétent, maintenant on va se mettre derrière lui contre maintenant la Côte d'Ivoire. Et lui, il aura le temps d'enjamber ces 3 mois qui lui restent. Parce qu'il a des comptes à rendre au peuple burkinabé. Il doit faire son bilan. Il doit nous dire où on en est aujourd'hui. Mais pour éviter tout ça, il faut créer un autre. Parce que c'est sciemment fait. Les soldats qui ont franchi la frontière, c'est sciemment fait. D'abord, ils savent qu'il y a des soldats au Burkina qui attendent, des militaires qui sont au Burkina, et que la Côte d'Ivoire a besoin de ces gens. Donc, c'est sciemment fait. On les fait traverser tout en sachant que quand ils vont y aller, il y aura tout simplement la réplique. Et de ce côté, on pourra tout simplement mobiliser les gens, les rediriger vers là. Donc, pour moi, aujourd'hui, je demande à la Côte d'Ivoire de nous aider avec les deux militaires. Donnez-le. Parce que lui-même, il a un compte à rendre au peuple burkinabé d'ici 3 mois. Donc, il cherche des solutions ailleurs. Ne lui donnez pas cette occasion. Ne lui donnez pas cette occasion. Moi, c'est moi qui demande à la Côte d'Ivoire de ne pas donner cette occasion à Ibrahim Traoré. D'ici lundi, d'ici quelques temps, libérez les deux militaires-là. Remettez-le. Et là, il va nous rendre compte maintenant de son bilan. Parce qu'aujourd'hui, le bilan, il est chaotique. Sur tous les plans. Sur tous les plans, l'économie est à terre. L'économie est à terre. Il n'y a pas d'issue de ça. Ibrahim Traoré, aujourd'hui, cherche des voies et moyens pour couper, c'est-à-dire que pouvoir retenir le salaire des fonctionnaires. Mais si vous révoltez, il va utiliser ça comme alibi pour dire aux gens, soutenez-nous parce que voici ce qu'on a comme problème. Il y a l'insécurité, il y a la Côte d'Ivoire aussi qui nous coupe l'électricité, qui nous fait ceci, qui nous fait cela. Ce sont des arguments que Ibrahim Traoré cherche. Ne lui donnez pas cette chance-là. Libérez les deux militaires, s'il vous plaît. Ils vont revenir. Ibrahim Traoré, maintenant, va rendre compte au peuple burkinabé parce qu'on l'entend. Moi, c'est le message que j'ai à lancer du côté de la Côte d'Ivoire. Parce que quand vous faites l'analyse, tout de suite et maintenant, vous avez 2 militaires à votre niveau, 2 gendarmes. Les gars prennent 2 de chez vous. Est-ce qu'on a besoin d'aller faire la force? La force même à qui? Nous sommes déjà fatigués avec la crise. Nous sommes fatigués avec la guerre de 10 ans. Qui a la force pour aller combattre encore un autre pays et revenir encore tenir tête devant les djihadistes? Non, ce n'est pas possible. Nous sommes déjà fatigués. Et moi, ce qui me touche dans tout ça, c'est souvent quand je m'assois, je pense qu'entre nos pays africains, pays voisins, la Côte d'Ivoire et le Burkina, les liens qui existent entre nous, moi quand je pense que des citoyens ivoiriens vont pénétrer notre territoire, 2 seulement, même si c'est avec un cargo, 2, et qu'on en fait un problème.
Je vous prends un exemple. Si ces deux gendarmes-là étaient arrivés aux États-Unis, ils allaient revenir par le second vol. Parce qu'on sait que ces deux-là ne peuvent rien faire. Et que tellement qu'on est, ils sont tellement confiants, mais ils vont les renvoyer par le second vol. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas sortir de l'aéroport. C'est-à-dire que c'est nous, normalement, quand même, c'était des gens, on se salue, ah frère, oui, nous avons pour ça, c'est tant, tant, c'est ça, on est arrivé. Ils disent, oh non, il n'y a pas de problème. Voilà, bonne chance à vous, voilà. Et les gens retournent. Quand même, est-ce qu'on a besoin d'en faire un problème? Qu'est-ce que ces deux gendarmes vont nous apporter? Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Rien. Donc, Ibrahim Traoré cherche des solutions. Tout simplement, il veut quand même créer un autre front. Ne lui donnez pas cette chance-là. Moi, et maintenant, je vais revenir. Parce qu'un peu partout sur la toile, et puis j'étais dans un panel hier, il y a des gens qui me disent, Alassane Konombo, ton problème, c'est que tu n'apprécies jamais les actions d'Ibrahim Traoré. Toujours, tu es là pour critiquer, pour dire des choses, toujours dire que tout ce que, peindre en noir tout ce que Ibrahim Traoré fait. Moi, je ne sais pas si les gens, je vais expliquer quelque chose. Vous savez, moi je ne suis pas dans l'émotion. Ibrahim Traoré est là pour un objectif bien précis. Quand il a pris le pouvoir, il a dit au peuple burkinabé qu'il venait pour mettre fin à l'insécurité. Moi, aujourd'hui, tout ce qui me préoccupe, toutes les actions que pose Ibrahim Traoré, moi j'essaie d'analyser. Parce que au début, je vous ai dit, la manière dont Ibrahim Traoré fait, c'est amener le peuple burkinabé à vivre avec l'insécurité, à se dire que c'est un mal que nous devrons vivre avec. C'est-à-dire que on ne doit plus se préoccuper de ça. On doit le considérer comme les autres maladies que nous avons au Burkina et qu'on traite. C'est-à-dire qu'on n'en fait pas un problème. Les djihadistes attaquent un village, non, ce n'est pas un problème. On va qu'à nos occupations et qu'on fait comme si de rien ne s'était passé. Parce que c'est une manière, voyant qu'il ne peut pas résoudre le problème, comme il a trop bavardé à son arrivée, il a vu qu'il n'a pas la solution. Il essaie. Il veut amener le peuple burkinabé à vivre avec la sauce. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mais, vous voyez, quand les gens justifient, ils me disent que moi, je n'apprécie pas. Que oui, Ibrahim Traoré, depuis qu'il est arrivé, les gens cultivent du blé. Mais moi, vous voulez que je vienne apprécier Ibrahim Traoré parce que des burkinabés cultivent le blé? Est-ce que ça tourne rond dans vos têtes? Parce que des gens cultivent du blé, je dois apprécier Ibrahim Traoré. C'est lui qui cultive le blé là. Ou les autres présidents ne pouvaient pas cultiver du blé. Ce n'est pas lui qui cultive le blé, les autres aussi pouvaient cultiver du blé. Il y a des gens qui me disent, oh, pourquoi tu n'apprécies pas Ibrahim Traoré? Parce que oui, il a fait la pose de première pierre d'une usine de fabrication de tomates. Et puis hier encore, il y a... Attends, il y a combien de poses de première pierre que le pouvoir de Blaise Compaoré a fait ici? Et on n'a pas vu la suite. Roch Kabore, il y a combien de poses de première pierre qu'on n'a pas vu la suite? Même Fassou Fani. Fassou Fani, le pouvoir de Roch avait donné 3 mois pour réouvrir Fassou Fani. Est-ce que Fassou Fani fonctionne? Allez-y à Fassou Fani Koudougou voir est-ce que ça fonctionne. Les poses de première pierre, les gens ont toujours fait les poses de première pierre. Ça n'a pas commencé sur lui. Et il y a des projets même que peut-être même les gens gesticulent aujourd'hui. Ils ne savent pas que ce sont des projets qui ont été même, ce sont des projets même qui ont été financés depuis, avant son arrivée. L'État est une continuité. Il y a des choses que Ibrahim Traoré arrive, il fait. Par exemple, le projet de tomate là. Ce n'est pas lui. C'est un projet qui date de 2019. Que Ibrahim Traoré est arrivé. Et que oui, ça se fait sous lui comme ça s'est fait sur les autres présidents. Ce n'est pas sorcier. Donc ne venez pas me dire que oui, Ibrahim Traoré, des gens cultivent du cacao au Burkina, il faut apprécier Ibrahim Traoré. Et moi, je ne suis pas pour la manipulation. Allez-y sur la toile. Je vous ai dit, les activistes cherchent des vues. Les gens cherchent de l'argent. Les gens ne s'en foutent pas mal de ce qui se passe au Burkina. Allez-y sur Facebook, TikTok. Moi, j'ai vu une image hier, une vidéo, où on a montré des jeunes burkinabés qui étaient en train d'apprendre à monter des drones. La vidéo fait le tour de la toile. Des jeunes burkinabés qui apprennent à monter les drones. Mais cette vidéo-là, elle date de quand? Et de qui d'ailleurs? La vidéo-là, elle ne date pas de sous Ibrahim Traoré. Si vous ne savez pas, ce sont les élèves de Nyung Sanfo.
L'expert en cybersécurité, Nyung s'en fout. C'est lui qui apprend les unes à monter les drones. Mais Nyung s'en fout là. Ibrahim Traoré a mis Nyung s'en fout en prison, si vous ne le savez pas. Il avait monté, c'était sur Rock Abouré qu'il a enregistré cette vidéo-là, qui fait le tour des réseaux sociaux. Maintenant, quand Ibrahim Traoré est venu, Ibrahim Traoré a mis Nyung s'en fout en prison. Actuellement, il est en prison. Sur l'expert, là, il est en prison. Ce sont ses élèves qui apprennent à monter les drones. Maintenant, un activiste ivoirien ou un autre pays qui va prendre cette vidéo, qui vient sur la toile, qui publie et qui dit, voici, oh, félicitations, le Burkina, Ibrahim Traoré, venez partager. L'individu là, il cherche des vues. Bon, on n'a qu'à venir partager pourquoi. Mais ce sont des vues que l'intéressé cherche. Ils vous utilisent parce que vous êtes moins cultivé. Ils vous utilisent pour avoir des vues. Vous voulez que moi je vienne apprécier ça parce que pourtant je sais que cette vidéo, elle ne date pas d'aujourd'hui. Ce dernier ne peut pas me manipuler. Moi, je connais la source de la vidéo. Donc, il ne peut pas me manipuler. Donc, si vous êtes manipulable, vous allez applaudir, vous allez partager. Le gars, il gagne des vues, il se fait payer à l'international. Il est là. Il y a un type qu'on appelle samouraï. Le gars ne travaille pas. Il ne fait que faire des vidéos. Par jour, il peut faire 4 à 5 vidéos. C'est payant, les vidéos. Les gars sont en train de chercher de l'argent sous votre dos. Parce que vous êtes inconscient. Vous n'êtes pas cultivé. Vous ne comprenez rien. Tous les activistes sur la toile qui chantent matin, midi, soir, pourquoi ils le font? Ils le font parce qu'ils cherchent de l'argent. Moi, je parle pour mon pays. Il y a mes parents, il y a tout le monde qui sont au Burkina, qui sont tués tous les jours. Moi, je lutte pour que ces gens ne soient pas tués encore. Mais les autres activistes, ils ont quoi à foutre avec des gens qui meurent au Burkina? Ce n'est pas leur problème. Et ils cherchent de l'argent. Donc, nous ne pouvons pas avoir le même comportement. Et ils peuvent manipuler. Allez-y voir, il y a des gens qui ont pris les Sotraco, les bus Sotraco, pour venir dire, voici l'œuvre d'Ibrahim Traoré. Ils apprécient. Est-ce que l'intéressé sait que Sotraco n'est pas pour Ibrahim Traoré? Est-ce qu'il sait que Sotraco existe avant Ibrahim Traoré? Ce dernier ne sait pas. Il voit des bus, il va les copier, il vient les présenter, il loue Ibrahim Traoré. Ce n'est pas son problème. Moi, je ne peux pas me comporter comme eux. Si vous allez me juger en fonction de ces gens-là, du comportement de ces gens, vous allez m'insulter tous les jours. Moi, je lutte pour mon pays. Je ne suis pas dans la manipulation. Je ne sers pas à ce que les gens viennent partager pour que je gagne de l'argent. Je me bats pour mon pays. Donc, je ne peux pas me comporter comme ces gens-là. Donc, venez me dire que je peins tout. Non, non. Quelqu'un cultive du cacao au Burkina, ça ne suffit pas pour que j'apprécie Ibrahim Traoré. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est là pour l'insécurité. Jusque-là, ça ne va pas. Il y a des gens qui disent non, non, non. Il y a un qui a dit oui, depuis que Ibrahim Traoré est là, on ne parle plus trop des drames, il n'y a plus beaucoup de communication, ça veut dire que tout va bien. J'ai dit, mais écoutez, c'est parce que tu ne réfléchis pas. Quand Ibrahim Traoré est venu, avant Ibrahim Traoré, tu avais les nouvelles parce que les activistes communiquaient, les médias communiquaient, tout le monde communiquait sur les drames au Burkina, tout le monde parlait de l'insécurité. Aujourd'hui, depuis que Ibrahim Traoré est venu, personne ne peut parler de notre situation. Tu parles, on t'enlève, tu parles, on t'insulte, tu parles, on te dénigre, tu parles, on te dit tout. Donc, il n'y a plus... Il a dissous beaucoup de mouvements. Il a enlevé des activistes. Tous les activistes qui étaient au Burkina, qui réagissaient, ils ont tous été enlevés, soit réduits au silence. Qui va vous donner une information? Vous n'avez plus d'informations. Non. Quand les informations fuitent, c'est grave. Vous avez vu à Waïguia, quand on a fait sortir le communiqué du procureur, c'était 179 personnes tuées. Ça, c'est quand ça fuitait. Mais les autres, vous n'êtes pas informés. Vous ne serez pas informé parce que l'information est filtrée. Combien de militaires sont en prison parce que on les a accusés d'avoir donné l'information aux activistes? Beaucoup sont en prison. Donc les gens ne disent plus rien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout va mal. Tout va mal. Rien ne va. Mais qui va vous donner l'information? Ce sont les pauvres populations qui souffrent. Vous êtes à Ouagadougou, vous n'êtes pas informé de ce qui se passe à Kaya. Si vous donnez l'information, on vous enlève. On vous enrôle. Les salons impurés sont où? Ils sont au front. Tous ceux qui communiquaient sont où? Les Zinabar Asmane, tout le monde, les gens sont au front. Les nous autres, venez sur nos passes voir. Les moins que rien, comment ils viennent nous insulter. Venez voir. Donc, ceux qui pensent que, comme il n'y a pas de communiqué, comme il n'y a pas d'information, ces gens pensent que ça va. Mais si ça va, pourquoi Ibrahim Traoré ne communique pas? Connaissant ces gens-là, s'ils avaient la victoire, ils allaient sortir communiquer, ils allaient sortir nous dire combien pour cent ils ont récupéré.
Le territoire récupéré, c'est combien pour cent? C'est combien? Le maître de Tambela avait dit il y a au moins 7 mois que nous sommes à 65%. Allez lui demander, on est à combien pour cent aujourd'hui? Allez-y lui demander, demandez à maître de Tambela de revenir nous dire on est à combien pour cent dans la reconquête du territoire. Allez lui demander. Tous les journalistes, ils ont été mis de côté. Les Lingani, tous ceux qui étaient sur les plateaux, on les a mis de côté. Si tu veux parler sur les plateaux, il faut que tu sois du côté de Ibrahim Traoré. Si tu n'es pas de son côté, si tu oses dire quelque chose qui est autre que ce que les gens veulent entendre, mais tu es insulté. Quand vous regardez le journaliste comme Ismaël Ouédraogo, un journaliste talentueux, est-ce que ces gens peuvent faire leur travail encore? Non, ils ne peuvent pas. Sur les plateaux de télé, qui peut parler? Quand vous allez même inviter les gens, ils ne viennent pas. Ils disent non, 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 je ne vais pas aller parler. Parce que si j'y vais, on va m'arrêter. Donc les gens ne veulent pas parler. Donc ne pensez pas que quand c'est silencieux, ça veut dire que tout va bien. C'est silencieux parce qu'on enlève les gens. Deuxièmement, j'ai vu une photo hier de Ibrahim Traoré et du capitaine Yabré que les gens m'ont envoyé à plusieurs reprises pour me dire « Oui, vous voyez, tout va bien. » Moi, je n'avais pas dit qu'il y avait un problème entre eux. Ce n'est pas moi qui les ai fait se rencontrer. Ce n'est pas moi qui les avais mis ensemble. Non. Mon souhait, c'est qu'ils s'entendent. Parce que s'ils ne s'entendent pas, ce sont les pauvres populations qui endossent les conséquences. Ce n'est pas eux. Eux, ils sont à Ouagadougou. Ça, c'est un. Deuxièmement, vos thèses, là. Parce que les gars rient ensemble, ils sont assis à côte, tout va bien. Mais écoutez-moi bien. Il y a des gens qui ont ri ensemble le matin, le soir, il y a eu des problèmes, là. Quand vous, vous êtes dans votre famille, là, et que il y a quelque chose qui se passe, il y a un palabre entre vous, là. On va parler terre à terre. Quand un étranger rentre, là, comment vous vous comportez? Même quand quelqu'un criait, il nettoie ses yeux et puis il est assis comme si de rien ne s'était passé. On laisse l'étranger passer et puis on reprend, non? Ou bien, le fait de sortir, aller marcher, c'est parce que vous n'êtes pas des militaires, vous ne connaissez pas. Ibrahim Traoré, même s'il est en palabre avec Yabré, il va les faire sortir pour qu'ils aillent ensemble. Sinon, s'il laisse Yabré à Ouagadougou, Yabré va préparer son départ, ou vous ne le savez pas. Ce sont des militaires, là, ils se connaissent. Il y a des gens, ils sont dangereux quand ils sont en prison. Donc souvent, on les met dans une position où ils ne pourront pas réagir. C'est vous qui ne savez pas. C'est vous qui ne le savez pas. Allez demander à ceux qui sont mariés avec les bonnes. Quand la dame n'a pas confiance à la bonne, là, la dame voyage toujours avec la bonne. C'est vous qui ne savez pas. C'est vous qui ne savez pas. Allez, regardez, prenez les photos, regardez bien. Vous ne lisez pas les visages. Nous, on analyse les visages, le rire. Hein? Quand tu ris, là, on analyse. On analyse la manière de s'asseoir, le visage, là, ça parle. Vous ne connaissez rien. Vous voulez que je vous colle les photos, là? Si vous voulez que je vous colle les photos, je vais vous publier une photo tout de suite après mon live. Je vais vous montrer des gens qui riaient ensemble, qui étaient assis ensemble. Regardez les mains, la manière dont ça s'est positionné, tout, identique. Je ne dis pas que les choses vont se reproduire, mais je vous dis, si vous voulez, je vais vous balancer la photo tout de suite. Je vais vous faire un collage des photos là. Vous allez voir, vous allez lire clair. Nous, notre souhait, c'est pas que des Burkinabés ne s'entendent pas. Non. Puisque si eux, ils s'entendent pas, ils vont nous créer encore un autre chaos. Nous, nous ne souhaitons pas. Il y a des gens qui pensent qu'on est là, on prie Dieu qu'on sasse Ibrahim Traoré. Personne ne prie Dieu qu'on sasse Ibrahim Traoré. Parce que ça, c'est toujours les présidents là. On va toujours en arrière. Celui qui va toujours venir dira qu'il fera mieux. Personne ne va venir dire que lui ne fera pas mieux que l'autre. Les gens viendront toujours dire. Maintenant, c'est pourquoi il faut être responsable, se mettre ensemble et interpeller les gouvernants pour qu'ils arrangent. Sinon, si nous sommes toujours là, c'est nous qui changeons de président. Tous les jours, on change de président. On va aller où avec ça? On ira nulle part. Vous pensez qu'aujourd'hui, si on pouvait me demander s'il fallait sasser Blaise Compaoré? Jamais. Jamais. Pourquoi le sasser? On l'a sassé, voici les conséquences. Ça qui vient, c'est... On nous raconte des histoires. Non. Personne n'est fier qu'on sasse notre président. Mais c'est lui-même qui crée les conditions pour partir. Parce qu'aujourd'hui, Ibrahim Traoré fait comme si Blaise Compaoré est parti parce qu'il y avait l'insécurité. Non. Quand Blaise Compaoré est parti, il n'y avait pas l'insécurité. Il y a des choses qui étaient différentes de l'insécurité. Tu as conduit les gens à dire à Blaise Compaoré de partir. Tout ce qu'on a reproché à Blaise Compaoré, Ibrahim Traoré a fait le double de ce que Blaise Compaoré avait fait. S'il y a lieu de sasser quelqu'un, c'est Ibrahim Traoré, on doit sasser. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que non, c'est l'insécurité seulement. Oui, non. Là-bas, c'est le chaos. On ne peut même pas parler de l'insécurité. Là-bas, c'est le chaos. C'est le chaos. On ne peut même pas parler d'insécurité. Donc, ceux qui pensent que moi, je peins tout en noir. Non, je n'aime pas les futilités. Je n'aime pas les futilités. Et pour terminer, vous voyez, je vous ai toujours dit, les Blancs ne peuvent pas nous respecter. Parce que nous-mêmes, en Afrique, on ne donne pas l'occasion aux gens de nous respecter. Non,
On ne donne pas l'occasion. Vous êtes assis, c'est vous qui criez tous les jours. Oui, et on traite les Noirs de telle manière, de telle façon. Mais vous-même, vous êtes assis là-bas, entre deux pays collés. Le Burkina, la Côte d'Ivoire et puis le Ghana. On ne peut pas se mettre ensemble pour résoudre un problème. Hein? Un petit problème entre les deux pays, on ne peut pas le résoudre. Les gens sont en train d'envenimer la situation. Ce n'est pas bien. Allez sur la toile voir comment les gens sont en train de s'insulter. Allez sur la toile. Moi, j'étais dans un panel hier. Tout ce que les gens pouvaient dire, c'est venir m'insulter. Ta maman quoi? Ton papa quoi? Ta maman quoi? Tu vois? Allez-y voir. C'est cette culture-là qu'on est en train de montrer au monde entier. C'est cette nature-là qu'on est en train de montrer aux gens. Non. Non. Nous devons apprendre à raisonner. C'est-à-dire qu'à discuter. Hein? À apporter des arguments. À convaincre les gens à travers des arguments. Les gens viennent, tout ce qu'ils savent faire, c'est insulter. Vous pensez qu'insulter, là, c'est parce que les autres réagissent. Moi, insulter ne me dit rien. Quand je vois quelqu'un qui commence à insulter, je sais quel niveau il a. Je sais quelle éducation l'intéressait. Hein? Vous voyez des grandes personnes, moi je vois sur des plateaux, des papes, des vieux pères, des gens âgés qui viennent. Ton papa, ta maman, ce sont des insultes. Moi quand je vois ça, j'ai honte. Je ne sais même pas comment les gens font pour insulter les autres. Allez-y sur mon TikTok. Les gens viennent m'insulter. Mais seulement j'ai une bonne formule. Quand vous venez m'insulter, la minute près, je vous enlève. Il n'y a pas quelqu'un qui m'insulte pour être toujours sur ma page. Jamais. Depuis que je commence, les gens me demandent pourquoi tes abonnés tu n'as pas. Moi, si j'avais laissé mes abonnés, non. J'étais à 500, 700 000. Sur moi, là, quand tu viens et que tu exposes ton éducation, quand tu insultes seulement, là, tu es parti. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a insulté et qui est toujours sur ma page. Essayez. Même sur TikTok, quand tu m'insultes là, parce que je regarde tout. Je n'insulte pas. Mais quand tu m'insultes, c'est que tu n'es pas là. Ça seulement, là, si tu n'es pas, tu dois revenir à un autre compte. Ça, c'est sur moi. Tu viens mettre tête rouge, quoi, là. Tu n'es pas sur ma page encore. Même si vous êtes 10 et que nous allons discuter entre responsables, entre des personnes civilisées, on va y arriver. Mais si ce sont les insultes, depuis que vous êtes là, vous nous insultez tous les jours. Est-ce que moi, j'ai réagi? Je ne réagis pas, mais je fais ce que je veux. C'est pour vous montrer que tout ce que vous faites là, ça ne peut pas m'empêcher. Moi, je parle du pays. Je ne suis pas contre quelqu'un. Quand toi, tu viens m'insulter, moi, mais je ne te connais pas. Je n'ai pas affaire à toi. Je n'ai même pas ton temps. Je ne te calcule même pas. Non, ce n'est pas toi qui donne le souffle de vie, c'est Dieu. Maintenant, je vais t'écouter. Si réellement je mens, je manipule juste pour avoir quelque chose. Je vous ai dit si je veux l'argent ou je veux qu'on me soutienne là. Mais je vais venir chez vous. C'est là-bas qu'il y a l'argent. C'est là-bas qu'il y a l'argent. Dès aujourd'hui, si je commence à louer Ibrahim Traoré, c'est même pas lui qui va me donner l'argent. Il y a des gens qui sont à côté des opérateurs qui vont m'appeler pour dire « Ah, Alassane Colombo, vraiment, tu fais un travail impeccable, tu soutiens le capitaine, prends. » Les gens vont me donner. Là où nous on est là, ce sont des injures, des tous des propos, vraiment, des propos haineux. Hein? Des gens même qui insultent, ils te connaissent même pas, des petits-enfants qui viennent, qui t'insultent. Souvent même, j'ouvre comme ça pour regarder, c'est un enfant qui vient m'insulter. Il y a des gens même qui parlent, ils ne savent même pas. Bon, il y a des gens qui pensent que moi j'ai fui le Burkina à cause d'Ibrahim Traoré pour venir ici l'insulter. Il y a des gens qui ne savent même pas que moi je suis ici. Avant même l'élection de Roch Kabore. Moi je suis là où je suis là, avant l'élection de Roch Kabore. Quand je partais, Roch Kabore n'était pas président. Ibrahim Traoré est venu hier. Et comment moi je vais être contre lui? Pourquoi? Sur la base de quoi? Non! Nous avons critiqué Roch Kabore parce que ça n'allait pas. Mes amis de lutte sont là. Si vous remarquez, moi je n'insulte pas mes amis de lutte. Il y a d'autres qui m'insultent, même les activistes avec qui on a un peu travaillé ensemble. Il y a des gens qui m'insultent. Mais est-ce que vous me voyez insulter? Il y a des gens même qui ont publié ma photo. Des gens même que j'ai donné ma parole de ne jamais les insulter. Et même, ils ont publié ma photo, ils m'ont insulté. Mais jusqu'à présent, je ne les insulte pas. Je les ai dit, il y a des gens que j'ai dit. Comme si je savais que nos chemins allaient nous séparer. Je les ai dit. S'ils sont ici, là, ils entendent, je les ai dit. Même si demain, nos chemins se divisent, moi, là, je ne connais pas, venez, on va casser les papous. Ça appartient aux inconscients, aux gens qu'on ne peut pas confier une parole. Non, quand nous discutons ensemble, à un moment donné de la vie, ça veut dire qu'on s'est entendu. Après, si ça ne marche pas, chacun prend sa route, c'est terminé. C'est qu'on s'est dit quand on s'entendait. Ça ne sort pas. C'est pourquoi ce mois, il n'y a pas de casser les papos. Vous avez déjà vu que je casse papos de qui ici? Ou quelqu'un m'a insulté, je réponds non. Et il peut violer les lois. Moi, je ne suis pas dans ça. Parce que c'est ceux qui vont revenir. Il y a des gens aujourd'hui qui m'insultent. Il y a des activistes qui soutiennent Ibrahim Traoré. Je sais que ces gens vont revenir. Parce que ce qui se passe au Burkina,
Ce n'est pas de la comédie. Le pays va mal. Les fonctionnaires souffrent. Les pauvres populations souffrent. Les produits, on ne peut toucher à rien. Il y a des gens qui m'insultent aujourd'hui. Ils savent en âme et conscience que ça ne va pas au Burkina. Allez-y au marché. Sur Roi Kaboré, le sac de riz coûtait combien? Il y a des riz, ça coûtait 19 000. Aujourd'hui, c'est combien? 25 000, ça tire vers 30 000. J'ai menti? Non. Je n'ai pas menti. J'ai dit quelque chose que vous n'aimez pas. Parce que vous soutenez Ibrahim Traoré aveuglement. Parce qu'on vous ment. Mais moi, je ne mens pas. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais menti sur quelqu'un. Il y a des choses que je peux dire qui peuvent changer. Il y a des choses que je peux dire aujourd'hui qui changent demain. Ça ne veut pas dire que j'ai menti. Mais à l'instant, au moment où je disais la chose, elle existait. Je ne mens pas. Non. Donc, c'est juste vous dire, ceux qui aiment ce pays, ceux qui continuent de lutter, Dame Lopez, tenez bon. Je vois les gens qui insultent la dame là, matin, midi, soir. Mais elle lutte, elle dit des choses que vous pouvez aller vérifier. Allez-y voir, on insulte la dame là, matin, midi, soir. Les gens sont sur TikTok, ils mettent des photos, tout. On insulte la dame matin, midi, soir. Mais est-ce que ça change sa lutte? Non. Elle sait. C'est de l'amour pour le pays, elle accepte tout. Il y a des gens qu'elle peut nourrir. Mais il y a des gens qui viennent l'insulter, est-ce qu'elle répond? Vous insultez Amina Tarasso matin, midi, soir. Est-ce qu'elle répond? Non. Elle lutte pour le pays. Vous insultez Naïm Touré matin, midi, soir. Est-ce qu'il répond? Non. Non. Henri Sebro fait un travail impeccable. Les Moussa Ouedraogo, ils sont nombreux. Il y a d'autres que j'évite de citer leur nom parce que tout simplement, il y a des gens quand vous citez leur nom tout de suite, on les prend. Il y a des gens qui sont au Burkina, je ne parle pas souvent, je ne cite pas leur nom. Ils sont beaucoup sur la toile. Des dignes Burkinabés qui continuent de lutter. Malgré tout ce qu'on leur dit, ils continuent. Au passage, merci à Dr Loureux pour son message d'hier. Il a subi. En tout cas, ces injures-là, il a subi beaucoup de choses, mais il continue de rester tout simplement dans cette lutte-là. La lutte pour libérer le pays. Aujourd'hui, tous ceux qui aiment le Burkina savent que ça ne va pas. Les fonctionnaires souffrent. Tout le monde souffre aujourd'hui. C'est sous Ibrahim Traoré qu'à la fin du mois, ton cœur bat. À partir du 25, tu souffres déjà. Il y a des gens qui commencent, les fonctionnaires souffrent à partir du 25. Quand ils vont, ils trouvent que l'argent n'est pas versé, les gens souffrent. On dirait qu'il y a des gens même qui vont tomber dans le coma. Quand à partir du 25, ils ont des problèmes. Moi, vous savez, et moi je dis, par exemple les guides religieux, tous ceux qui sont là, dans vos religions là, on vous dit de dire la vérité, quel qu'en soit ce qui doit arriver. C'est les musulmans là. Sur vous là, on n'a pas écrit à quelque part qu'il faut dire la vérité, quel qu'en soit ce qui doit arriver. C'est écrit là-bas. Quand vous, on tue dans vos villages là, vous ne voyez pas. Quand Ibrahim Traoré dit dans 3 mois, je libère le pays, on vous a pas dit de dire la vérité. S'il ne le fait pas, rappelez-le. C'est les protestants là. On vous dit pas de dire la vérité. On vous dit de dire la vérité. Aujourd'hui, ça ne va pas. Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous refusez de dire la vérité? C'est les catholiques là. Il n'y a pas de passage dans votre Bible là où on vous dit que votre oui soit oui et votre non soit non. On vous a dit ça, non? Pourquoi aujourd'hui votre oui veut être non? Pourquoi? Vous n'aimez pas le pays? C'est les animistes là. On vous a pas dit de dire la vérité? Dites la vérité. Même si dire la vérité et dormir sans manger vaut mieux que mentir et manger. C'est pas ça qu'on dit dans nos traditions là. Dites la vérité. Rien que la vérité, ne mentez pas pour l'amour de quelqu'un. C'est-à-dire que faut pas mentir parce que vous aimez quelqu'un. Moi, je suis assis ici, les gens me traitent d'aimer le président Damiba. Oui, moi, j'aime le président Damiba. J'aime le président Damiba. Je l'apprécie jusqu'à présent. C'est un chef d'État. Le président Damiba est un chef d'État. Parce que au nom de l'amour pour ce pays-là, il a tendu la main aux gens en disant aux gens, nous sommes en guerre. Vous avez pris les armes. Venez. Nous allons discuter. Quand on aime son peuple, quand on aime son pays, on va au dialogue pour sauver le peuple. Vous êtes venus avec le tout militaire, on est où? Ce sont des gens qu'on tue, vous dormez à Ouagadougou? Vous dormez à Ouagadougou? Vous avez pris le peuple pour cible.
On enlève des pauvres populations. On les traite de complices. Des gens qui sont dans leur village, on vient les tuer. On vient les faire du tort. Ils vous appellent, vous ne venez pas. Après, vous les traitez de complices. Complices avec qui? Des gens qu'on vient faire du... Quand les djihadistes viennent là, ils viennent avec des armes. Ils viennent, ils sont sous pression. Les populations sont sous pression. Vous voulez que les gens fassent quoi? Quelqu'un arrive avec un fusil, il tire en l'air. Toi, tu peux dire quoi? Tu peux dire quoi? Mais après, maintenant, vous ne partez pas. Il y a des gens qui sont dans des zones que moi, j'ai des informations. Où des djihadistes sont venus leur dire, laissez la barre. Si vous laissez la barre, vous marchez ici, il n'y a pas de problème. Les gens se sont conformés juste pour pouvoir vivre. Ils n'aiment pas, il y a des gens qui n'aiment pas la barbe, on les a dit de laisser la barbe, si vous laissez, on va vous laisser. Les gens se sont conformés juste pour pouvoir vivre. Ils voulaient qu'ils disent quoi? Ils voulaient qu'ils disent quoi? Il y a des anciens même où on est allé leur dire même de laisser les barbes là pour, et de continuer. Mais si vous, vous ne venez pas, si l'État n'est pas présent, vous voulez que les gens fassent quoi? Les gens sont obligés de se conformer pour pouvoir vivre. Parce que vous êtes à Ouagadougou, quand on les tue, ce n'est pas votre problème. Vous-même, vous refusez de dire qu'on a tué des gens. Donc si tu te retrouves dans cette position, tu vas te battre à cause de Ibrahim Traoré. Et on va te tuer. Ibrahim Traoré ne va même pas communiquer. Il ne va même pas faire. Il va rien faire. Il va dire aux gens même de ne même pas parler. Vous voulez qu'on dise quoi? Même quand on aime quelqu'un, on ne peut pas accompagner les gens comme ça. Aveuglement. Non. Non. On ne peut pas le faire. Et les pays de l'AIS, eux, ils cherchent des gens pour faire des coups d'État. Vous voyez qu'ils s'en prennent au Sénégal actuellement parce que le gars, le président sénégalais, a osé dire qu'il va travailler pour les ramener. Moi, je les ai dit, vous, avec le Sénégal, là, vous fatiguez. Au Sénégal, vous ne pouvez rien faire. Si au Sénégal, c'était le désordre, là, on allait faire coup d'État à Macky Sall. Quand ça chauffait au Sénégal, là, vous avez souhaité qu'il y ait un coup d'État. Mais là-bas, là, si tu fais un coup d'État, là, tu as tiré à terre. Si tu fais un coup d'État, tu vas faire ça et puis s'asseoir où? Les gars, là, la cour constitutionnelle qui est là-bas, ne va même pas te laisser venir prêter serment. Et tu ne vas même pas t'asseoir. C'est pourquoi on n'a pas fait coup d'État à Macky Sall. Les gars, voici, les élections sont très bien passées. Voilà, l'autre a pris le pouvoir, il n'y a pas de problème. Donc, il n'est pas libre de lui-même, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est obligé de suivre les lois du pays. Mais c'est vous, il n'y a pas de loi. Quelqu'un arrive, un petit capitaine ou petit galant arrive, il change tout. La constitution, même que lui-même, il est né trouvé là. Il modifie ça, il met ce qu'il veut. Il n'y a pas, c'est comme si nous-mêmes, on n'existait pas. C'est comme si c'est à partir d'Ibrahim Traoré. Ce n'est pas une bonne image. Les gens pensent que quand vous voyez les vieux qui sont assis là-bas, les vieux de la cour constitutionnelle qui sont là-bas, ils font honte au Burkina. Les juges qui sont assis là-bas. Ils font honte au Burkina. Tout le monde entier nous regarde. Ils font honte. Ces gens-là, ce sont des gens qu'il ne faut même plus calculer. Quelqu'un arrive, vous, vous êtes assis. Vous êtes assis, il arrive, vous voyez que ce qu'il fait n'est pas bien. Parce qu'on vous menace, vous acceptez, vous faites tout ce que vous avez à faire. Au Sénégal, là, si les gens étaient irresponsables comme vous, mais ils allaient modifier pour que Macky Sall reste au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non. Ici, là, c'est nous. Et la loi, c'est la loi. Tu te conformes à la loi. Ou nous-mêmes, on te destitue. Mais le gars, il vient, il fait un coup d'État. Il vient prêter serment. Il vous dit des choses même. Que dans 3 mois, je fais ça. Je suis là pour l'insécurité. Vous voyez qu'il enlève les gens. Vous voyez qu'il maltraite les gens. Vous voyez qu'il ne fait pas ci. Vous voyez que des gens meurent. Et que quand quelqu'un veut dire qu'il enlève, vous êtes assis. Vous ne dites rien. Vous êtes quel genre de juge? Vous êtes quel genre? Vous êtes quel genre de personne? Même si ce n'est même pas le papier de blanc. Vous n'êtes pas né au village. À votre âge-là, on ne vous a pas enseigné qu'il faut dire la vérité, quel qu'en soit ce qui va se passer. Dites la vérité, quitte à démissionner. L'histoire retiendra que vous avez démissionné parce qu'on voulait vous forcer. Mais vous êtes assis, vous allez accepter qu'on modifie la constitution, on bazarde notre constitution, juste pour le conformer à un individu qui n'est même pas capable de libérer le pays. Vous êtes quel genre de juge? Vous avez étudié où? Et tout ça, là, on prend ça, on va coller à Ibrahim, à Sankara. Ibrahim Traoré vient prendre l'image de Sankara, il est là en train de salir le nom de Sankara. Sankara se comportait de la sorte? Non, jamais. Sankara n'était pas désordonné. Non, Sankara disait la vérité aux gens. Sankara n'était pas contre les gens. Ibrahim Traoré a quoi qui ressemble à Sankara même? Quoi? Si ce n'est pas le petit pistolet à droite là, même le petit pistolet à droite là, Sankara ne portait pas un petit pistolet avec des chargeurs qui n'ont même pas d'armes à côté. Est-ce que Sankara c'était le populisme? Non. Sankara était un peu partout. Lui il est où? À Ouagadougou, toujours devant les enfants là. Est-ce qu'il va au front?
Sankara n'était même pas là en temps de guerre. Sankara n'était pas là en temps de guerre. Non. Les époques ne sont même pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes époques. Non. Non. Et d'ailleurs, vous, vous dites que vous n'aimez pas les Blancs. Vous n'aimez pas les Blancs. Il y a des choses qui ont été écrites par les Blancs en son temps. C'est que vous prenez l'île. Il y a des vidéos de Sankara qui ont été enregistrées par les Blancs en son temps. Si vous n'aimez pas les Blancs, qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas des choses qu'on a modifiées? C'est ça, vous prenez, on va écouter, lire vidéo de Sankara et puis on sort, on parle. Non, ce ne sont pas les mêmes époques. Non. Non, non, non. Ce ne sont pas les mêmes époques. Donc, je vais m'arrêter là. Vous dire merci. Merci à tous ceux qui aiment ce que je fais. Merci à tous ceux qui soutiennent. Et à ceux aussi qui viennent insulter, rassurez-vous. Sur ma page, je ne vais jamais insulter quelqu'un. Je vous le dis et je vous le répète. Il y a souvent des qualificatifs que je donne. Les gens pensent que ce sont des injures. Non, non, non. Dire que quelqu'un est inconscient, ça, ce ne sont pas des injures. Ou dire que c'est un menteur. Dire que Ibrahim Traoré est un menteur, un manipulateur. Non, ce ne sont pas des injures. Les injures, non, non, non. C'est en fonction. Par exemple, si Ibrahim Traoré nous dit, oui, je libère le pays dans 6 mois, une année après, il ne le libère pas, mais c'est un menteur. Ce ne sont pas des injures. Non, 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 non. Ce ne sont pas des injures. Je suis en train de le qualifier en fonction de ce qu'il a dit. Voilà. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que moi, je n'insulte personne. Alors, vous venez m'insulter, moi, je vous bloque. C'est ma page. Vous n'êtes pas obligé d'être ici. Si vous venez, vous trouvez que ce que je dis ne vous intéresse pas, partez. D'ailleurs, moi, je ne dis pas aux gens de partager. Est-ce que je vous ai dit de partager ici? Non. Non. Je n'ai pas dit de partager. Maintenant, je bloque les commentaires pour éviter que les gens ne viennent distraire ceux qui viennent, veulent réellement être concentrés. Parce qu'il y a des gens qui viennent, qui veulent écouter, qui veulent lire, qui veulent être sérieux. Mais il y a des gens qui viennent écrire, étaler leurs bêtises. C'est-à-dire que leur éducation. Donc, je bloque les commentaires. Ça aussi, c'est pour protéger mes abonnés. Parce qu'il y a des gens qui viennent commenter pour me soutenir et puis on les enlève. Donc, si je bloque les commentaires, c'est-à-dire que les gens ne vont pas venir se faire enlever. Les gens ne vont pas venir aussi étaler leur éducation sur ma page pour distraire les autres. Ça permet aux gens de venir m'écouter. Mais vous n'êtes pas obligé d'être ici. Si vous arrivez, vous partez. Il y a des pages qui sont là où on vous raconte des bêtises. On vous dit de venir confirmer les codes, les quoi. Allez là-bas. Allez confirmer vos codes là-bas. Ici, il n'y a pas de code pour confirmer. Ici, c'est venir se mettre ensemble pour aider à libérer le pays. Que Dieu protège le Burkina. Merci.